Eh bien, rebonjour les amis. Nous allons essayer de faire le nouvel épisode. L'épisode numéro 6 qui s'appelle Coma. Si le jeu veut bien se charger, parce qu'apparemment. Voilà. Charger le jeu. Tac, chapitre 6. L'appartement. Je vérifie que ça enregistre bien. On est bon. On se lance dans l'aventure. Ah, d'accord, on est dans un genre de cité d'HLM. Je vérifie que le son, tout est bon. C'est parfait, ça fonctionne bien. Impeccable, on y va. Ça s'est fermé, là on peut rentrer. Ok. Boîte aux lettres. C'est une addition. Ok. Là, y a rien, y a rien. Ça se ferme à clé. Celui-là aussi. Je peux pas l'ouvrir. On rentre. L'escalier. C'est quoi ça? Pourquoi y a une porte qui s'ouvre? Ah non, c'est pour retourner à l'entrée. Ça marche pas. Le service de fourniture en électricité du local numéro 1 a été suspendu. Ce service sera restauré quand vous aurez payé vos factures. D'accord. Ah, je peux sonner. Une clé. Ah, on peut rentrer. On voit que dalle. Il n'y a pas d'électricité. Ah, je suis sorti. Là, je peux rentrer, mais il fait tout noir. On voit que rien, on voit rien. Là, je tire les tentures, là. Ah, noir. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour. J'ai besoin urgent d'argent pour continuer mes soins. J'espère que ma bonne fée va réaliser mes voeux. Si je n'obtiens pas rapidement de l'argent, alors il ne me reste rien d'autre à faire que de croire en la magie. Y a rien. On peut pas rentrer. Là, il fait tout noir. Ah, j'ai passé par la fenêtre de l'autre côté, on dirait. Des portraits, ok. Et ça bouge tout seul. Ah, ça c'est une autre chambre. Il y a encore des portraits. Ici, il fait noir aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ça a pété. Oh, j'ai déjà plus ce qu'il faut faire, moi aussi. Il fait noir, on sait rien voir. C'est quoi? Un bouton? Attends, j'ai un bouton, mais il sert à quoi le bouton? Un bouton ici? Non. Ah, on peut aller à la cuisine, t'as raison, j'avais pas vu Ryan, merci. Je suis pas encore venu ici. Hein. Ah, je fouille tout, mais ça rien faire. Ok. L'autre côté, j'ai une cuisine aussi, alors. Ah ouais, j'ai pas été. Une enveloppe. Ça, c'est quoi? Ah, c'est la facture d'électricité. Tout
payer la facture d'électricité, mais... Attends. Ah, je vais le mettre de fusible de l'autre côté. Tu vois ici c'est cassé. Je vais peut-être réparer avec ça. Ça marche. Je peux allumer. Ah, c'est les WC. Bon, je sais pas quoi ça sert. Mais... Ça sert à rien. Bon, bon, bon. Ici c'était qu'on peut pas aller. Là c'était la chambre, on l'a fouillée déjà. La cuisine. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un papier là. À nouveau la clé est tombée dans la cuvette des toilettes. Ah, il y a une clé dans les chiottes. Et comment est-ce que je peux l'attraper? Je peux pas. Faut que je trouve quelque chose pour déboucher les WC. Oh, je vais faire ça moi. Oh, je voulais pas faire ça. Chambre, dans la chambre on a fouillé, ça on peut pas aller. J'ai pas un truc ici, bouton, pièce. Non. C'est compliqué hein, c'est pas évident. Pas évident du tout. Non, je voulais pas aller là. Quand on passe par la fenêtre, on va chez le voisin, ça. Salle de bain. On sait pas allumer. Ah. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est cassé. Allez. Je trouve rien ici. La cuisine, c'est peut-être la clé, c'est la cuisine. Il y a de l'argent sûrement dans le cochon, mais je peux pas le casser. Quelque chose ici. Faut aller dans les toilettes, mais je ne peux pas y aller. Ça c'est quoi? Un bouton? Pourquoi faire un bouton? Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ah là, je suis vraiment coincé là. T'as une idée toi? Non. Je vais essayer de trouver un peu d'aide quelque part. Qu'est-ce que quelqu'un qui peut m'aider? S'il vous plaît. Je suis vraiment coincé ici. Comment faire? Je peux pas descendre. Hein. Je trouve pas. Je peux
pas descendre là. Comment faire? Pas ouvrir ça. Je sais pas comment faire. La chambre, j'ai déjà fouillé. C'est pas la fenêtre. C'est les toilettes. Mais je peux pas. Hein. Vous pouvez pas. J'ai déjà tout fouillé, hein, mais je trouve pas. La cuisine, c'est la même chose. Ah, j'ai mis 5 francs dans le truc là. Ça y dit, la clé est tombée dans les trucs, mais je peux pas l'attraper. C'est pas évident, Loulou. Hein. Comme ça, j'ai déjà réparé. Toilette, je sais rien faire. C'est coincé de chez coincé. Peut-être mis le bouton dans les trucs là. Le bouton, il faut le mettre où? T'as pas de bouton dans les toilettes? Si, j'ai déjà tout fouillé. Cuisine aussi. Ouais, c'est pas évident. Il a eu un bic. T'as raté, il avait eu un bic. Pourquoi t'as pas de bic? Et un bic où? Dans la cuisine. T'as vu un bic toi? Oui, il avait eu un bic. Dans l'autre cuisine. Ah, de l'autre côté? Regarde, dans l'armoire. Ah d'accord, faut chercher dans... Attends. Dans l'autre cuisine. D'accord, ah c'est ça qui me coince. Ici, il y a un bic. Dans le tiroir, il y a un bic. Oh, bien joué Ryan, mais t'es trop malin toi. Bien joué. Alors on va continuer l'histoire. Il faut aller ici, il faut aller écrire alors. On peut pas écrire. Qu'on peut faire ici. J'ai un bic. Ah, j'ai une idée. On dessine nous-mêmes l'histoire. Pas mal ça. Maintenant on peut descendre. J'ai trouvé un marteau qui coule. Je trouve un marteau, mais je fais quoi que le marteau? Ah, casser le cochon. Je vais peut-être casser le cochon. Ce serait pas une mauvaise idée ça, casser le cochon. Et il veut pas casser l'autre cochon alors. Ça marche, j'ai du pognon. Je peux mettre le pognon pour payer l'électricité. Je peux écrire l'adresse. Je peux mettre un timbre. Je peux poster ma facture d'électricité. Allez vite, je vais poster. La boîte aux lettres. Voilà. Voilà, ça c'est bien, j'ai payé mon électricité, maintenant qu'est-ce que je peux faire? C'est pas...
On va remonter dans l'appartement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah oui, attends, je peux allumer maintenant la salle de bain. Non? Ah, j'ai un truc pour aspirer à la toilette. J'ai trouvé aussi quelque chose. Un jeu de société qui était dans les toilettes. Ça va se décoincer. Il faut que je retourne de l'autre côté. Dans les WC. Prends le truc pour déboucher les WC. Ah, j'ai des messages. Ok, ça c'est bon, on a trouvé le truc. Mais il sort pas des WC. Ah, c'est peut-être où ça coule en bas. Comment on fait? Non. Faut que je sorte, faut que je redescende en bas de l'escalier. Ici. La clé! Je sais pas la clé de quoi. Vous l'avez déjà eu la clé. Non, c'est une nouvelle clé. La clé de quoi? De la porte? Non. La clé d'une porte, alors t'as raison. Ici? Oui, là. C'est peut-être là? Non, marche pas. Ça c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Ah, ici. Non, il veut pas. Dans l'autre côté. Ah, celle-là. Ah, il veut pas non plus. Mince, j'ai une clé, je sais pas qu'est-ce que ça ouvre. Et tu peux... Il va te dire, ça ouvre quelle porte? Si tu mets ta clé dessus. Je vais redescendre là. Peut-être c'est une boîte aux lettres. Peut-être c'est une clé de boîte aux lettres. Ouais. Et j'ai quoi là? Une cassette. On va retourner voir l'appareil dans la chambre. Non, c'est les toilettes. Là. C'est quelle chambre? C'est de l'autre côté. Ah, je sais plus de quel côté il faut aller. La chambre, c'est là? Non, c'est les WC. Ah là, j'ai trouvé une cassette audio, on va la mettre. Alors, il dit quoi? On entend un bruit. Un bruit de sonnette. Ah, je ne sais pas. Il fait un bruit de sonnette. Ah, il y a un papier. Ah, il y a une agrafe. On a dit aidez-moi. Il y a quelqu'un qui a un massage en dessous de la porte. Et maintenant avec ça, allez, je peux crocheter la serrure. On peut fouiller tout. J'ai trouvé un dé. Téléphone qui sonne. Là, je peux rien faire. Je peux pas décrocher. J'ai un dé, j'ai une carte de jeu. J'ai un stylo, j'ai un bouton. Ah, les boutons, c'est peut-être le pion. Oh, je me perds. Attendez, dans la cuisine, peut-être. Faire. Alors on peut faire quelque chose sur la table. Je mets le jeu. C'est un jeu. C'est le dé. C'est le pion. My goodness. Ah, il va falloir faire le jeu. Faut vraiment jouer le jeu. Faut lancer le dé. Je fais 1. Je fais 4. Ah, je suis dans un piège, non? Ouais, il m'a fait retourner au début. Je fais 2. Hein, je suis encore dans le piège. Mince. 3. Je suis encore dans le piège. Et c'est pas possible, je vais jamais réussir ce truc. 2. 1. Je suis encore dans le piège. C'est pas possible. Ça, il me porte pas la chance. 2. 3. Ah. Non, c'est encore un piège. Oh là là. 4. Ça, c'est bon. Ah, non, c'est pas possible, ça va durer une éternité ce truc. Je suis encore dans le piège. 4.
2. Je suis passé, c'est pas possible, c'est un miracle. 5. Allez, ça c'est bon. 1. 2. Tu veux le faire un peu? Allez, viens ici, c'est toi qui vas faire le jeu. Il faut cliquer le dé, puis cliquer le bouton. Il fait automatiquement. Ah, t'es dans le piège, mais t'as un checkpoint ici, tu vas retourner là. Faut cliquer le truc, tu vois. Tu dois pas recommencer tout au début, il y a des checkpoints. Le prochain, il est là. Encore? Bah décidément. Allez, vas-y. Faut passer le piège là. Si ça, c'est bien. 3. Ok. Un. On est dans l'eau, bloup bloup bloup. Surtout pas deux, pas deux. Trois, c'est bien. Allez, continue, ça c'est bon. Non, pas quatre. Aïe. Ça va, c'est un checkpoint. Quatre. Ça c'est bon. Trois, ça c'est bon. Deux, c'est bon. Deux, c'est bon. On a eu dur au début, mais là ça va mieux. Allez, des petits coups de 2, c'est bien. 4. On est dans le Ah, c'est piège. pas bon, on est dans le piège, ouais. Retour au checkpoint. 2. Ok. Allez, on se fait chaque fois avoir. C'est dur, hein. Celui-là va être dur à passer, le boss. C'est le boss. C'est bien. Ah, oh, ça va être dur, hein, ça. Ça, c'est, on sait pas faire autrement. Faut le faire jusqu'à temps qu'on réussisse. Ah. Celui-là, ça va, y'a que deux, mais celui-là, il va être dur, hein, le serpent, là, le boss. Le boss de la fin, il va être dur à passer, celui-là. Allez, courage. Faut de la chance, hein, les enfants, ici. En plus, y a même pas de checkpoint. Cinq, ça, c'est bien. Allez, vas-y. 3, 4, 5, 4, c'est bien. Faut pas faire 3 ni 4. 6, c'est parfait. Attention, là, il faut pas faire 5. C'est bien, 6, t'es juste parfait, là. Pas 2, pas 1 ni 2. Pas 1 ni 2, on a gagné. 3, bien joué, on a gagné. On peut continuer, vas-y. On peut sortir, y a plus d'obstacles. 2. Ah, bien joué, mon loulou, on va gagner. 3, c'est parfait, on a gagné. C'est fini le jeu. Yes! Bravo, on a débloqué un cœur, regarde, un cœur de jeu. Parce qu'on a réussi le jeu. Ah, y a un petit garçon. Qui es-tu? Où as-tu mon jeu? Je voulais m'en débarrasser parce que je le trouvais ennuyeux. C'est vrai que c'était pas trop marrant. Je ne peux pas me payer un ordinateur, alors en attendant, je dois inventer des jeux de société. Nous sommes assez pauvres pour soigner mes parents, ça coûte vraiment très cher. Mais si tu as joué, dis-moi si tu as aimé. Je veux dire sincèrement que c'était pas trop marrant. J'aimerais bien devenir créateur de jeu un jour. Mais bonne chance. Et sinon, qu'est-ce que tu fais par ici? Mes parents t'ont envoyé ici? Tu sais pas où ils sont. J'ai peur qu'ils soient déjà morts. Je me fais tellement de soucis pour eux. Ils sont peut-être retournés à notre vieille maison. Celle à côté de la forêt. Une maison dans la forêt? Peux-tu aller à leur recherche? Je suis trop petit pour y aller tout seul. Qui, tu veux bien? Je dois surveiller la maison de toute façon. T'as pas de soucis à te faire pour moi. Je suis très malin et très courageux. Tu peux y aller maintenant. Je m'inquiète pour mes parents.
Les amis, nous avons fini le chapitre 5, c'est incroyable! Ah là là, j'aurais jamais cru. Maintenant, nous allons. Ah oui, c'était le 6, bien sûr, Ryan, c'est moi qui dis des conneries. On a débloqué un truc ici. Joueur enragé, ok, parce qu'on a gagné le jeu. Chapitre 6, ah, je vais bien sûr. Il nous reste plus que le 7 et le 8, et ce sera pour des prochains épisodes, les amis. J'espère que ça vous a plu quand même. Bed Dream Coma, il nous reste 2 épisodes à faire. Et merci pour mon petit Ryan qui m'a bien assisté dans ce chapitre parce que c'était pas évident. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.